Bon, monsieur Saïd Salhi, vous êtes le représentant de la Ligue des droits de l'homme en Algérie. 48e vendredi, quelle est votre analyse de la situation? Oui, bon, nous sommes là, à Alger, on voit la détermination, on voit la mobilisation, toujours au rendez-vous, on voit le peuple qui s'accroche toujours à ses revendications, notamment à l'objectif central, qui est celui du changement du régime. Aujourd'hui, bien que nous avons noté certains messages du gouvernement, notamment pour la libération des détenus, l'apaisement, mais ce qu'on voit aujourd'hui, on voit encore le même dispositif sécuritaire, on le voit ici même devant nous, n'a pas changé, on voit les mêmes pratiques qui n'ont pas changé, notamment la fermeture d'Alger pour les Algériens. Moi-même, j'ai fait près de 6 heures pour arriver de Béjaïa pour Alger, à Alger. On voit des interpellations, dans la matinée, il y a eu des interpellations au niveau d'Ilyush Mourad. Pour ce qui est du dossier des détenus, c'est vrai qu'il y a eu libération de certaines détenues, mais il faut juste rappeler qu'il s'agit d'une liberté provisoire. Jusqu'à maintenant, ceux qui ont purgé leur peine, ils sont libres, mais le reste, ils sont en liberté provisoire en attendant leur procès. Il faut noter que jusqu'à maintenant, il reste encore des détenus en prison, notamment les plus en vue du Hirak. Je noterai Karim Tabou, Boumala, Belarbi, Fersaoui. On a vu leur demande de mise en liberté provisoire qui a été rejetée dernièrement. Donc aujourd'hui, nous sommes encore dans une situation vraiment confuse sur le plan, justement, on ne voit pas de signaux clairs en termes, justement, d'une solution à la hauteur des attentes du Hirak. Aujourd'hui, le pouvoir parle d'une solution, parle d'un dialogue, mais le dialogue qu'on voit aujourd'hui est une volonté de diviser plus le Hirak, de diviser plus le peuple. Aujourd'hui, le pouvoir propose, à la place d'un dialogue politique global pour le changement de système, il propose un dialogue sectoriel qui touche des secteurs, notamment le dialogue social avec les syndicats, le dialogue avec certains secteurs, notamment de la presse, le dialogue avec les personnalités, mais réellement, il ne s'agit pas du dialogue attendu, parce qu'aujourd'hui, nous attendons un dialogue, justement, qui doit être ouvert, qui doit être sans condition, et un dialogue qui doit permettre, justement, au peuple d'exprimer et de faire aboutir ses revendications. Jusqu'à maintenant, voilà, la balle est encore du côté du système. Aujourd'hui, nous attendons des signaux forts, nous attendons une volonté claire, pour justement, et des signaux pour justement aller vers cette solution. Je vous dis, ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qu'on a vu même la matinée, aujourd'hui n'augure pas vraiment, et ne contribue pas vraiment à la solution, ne contribue pas à l'apaisement. Aujourd'hui, entre ce qui est dit, entre les discours et la pratique, c'est tout à fait justement le contraire. Aujourd'hui, nous attendons vraiment à ce que le gouvernement mette en exécution ses engagements, à ce que le gouvernement soit justement à la hauteur justement des attentes du peuple. Voilà, vous voyez que le Hira continue, que la mobilisation continue, que les revendications sont toujours là, les revendications du système. Le peuple le dit dans la rue, le système n'a pas changé, les pratiques n'ont pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons le champ politique est encore fermé, le champ médiatique est encore fermé. Nous voyons encore jusqu'à maintenant le mépris du système par rapport au peuple aujourd'hui. Aujourd'hui, le Hirak est de plus en plus méprisé et de plus en plus réprimé. Aujourd'hui, le gouvernement refuse justement de considérer le Hirak comme son interlocuteur, le seul interlocuteur. Le gouvernement, au lieu de chercher des interlocuteurs dans le Hirak, va chercher des interlocuteurs en dehors du Hirak pour faire un semblant de dialogue, un semblant justement de solution. Voilà, aujourd'hui, nous attendons des solutions justes à des revendications justes. Justement, il y a une question qui se pose souvent, à savoir la structuration du mouvement. Qu'en est-il de la structuration de ce mouvement, du moment que le pouvoir a besoin justement de représentants officiels pour dialoguer? Le problème de la structuration du mouvement n'est pas un enjeu aujourd'hui. Il ne s'agit pas de structurer le mouvement parce que vous avez en face de vous un mouvement populaire, un mouvement qui est traversé par toutes les sensibilités, notamment idéologiques, partisanes. Mais aujourd'hui, ce que nous attendons, ce que nous demandons, c'est que le pouvoir doit laisser le mouvement s'organiser. Il doit laisser le mouvement s'exprimer. Il doit laisser le mouvement, justement, se dialoguer entre nous-mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, tant que l'espace public est fermé, tant que le champ politique est fermé, tant que l'exercice politique est criminalisé, le mouvement ne pourra pas s'organiser, le mouvement ne pourra pas faire émerger des opinions majoritaires, des solutions majoritaires, des propositions majoritaires. Ce que nous avons proposé à notre niveau en tant que société civile, avec nos partenaires des partis politiques, c'est justement d'aller vers un congrès unitaire, d'aller vers une conférence nationale unitaire, mais cette conférence doit être laissée justement, il doit être laissée se tenir. Aujourd'hui,
aujourd'hui. Tout ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est justement pour casser toute initiative de rassemblement, d'organisation, de concertation dans le peuple. Et aujourd'hui, justement, d'où cette revendication centrale aujourd'hui de l'ouverture du champ politique, de l'ouverture du champ médiatique. Aujourd'hui, tant que le champ politique n'est pas ouvert, le Hirak ne pourra pas s'organiser, le Hirak ne pourra pas faire émerger des forces qui peuvent, à la limite, engager des négociations. Aujourd'hui, bien sûr que nous sommes pour une solution négociée, nous sommes pour une transition négociée, nous l'avons toujours dit, nous sommes pour une transition démocratique, pacifique et négociée. Et une transition qui doit aller dans le sens, justement, des attentes du peuple, dans le sens des attentes des revendications du peuple. Il ne s'agit pas des compromissions, mais nous sommes pour un compromis historique, notamment avec le système. Mais aujourd'hui, le système, c'est lui qui refuse le dialogue, c'est lui qui refuse la négociation, c'est lui qui refuse la solution. Justement, après 11 mois de marche, le peuple est toujours dans la rue. Où va-t-on avec cette division, chacun de son côté? Où va-t-on après 11 mois de marche? Moi, je dirais pas division, je dirais démarcation. Aujourd'hui, il y a des démarcations. Il y a des démarcations entre ceux qui veulent le changement et ceux qui veulent la continuité, entre ceux qui veulent la rupture et ceux qui veulent réellement le changement démocratique du système. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des démarcations dans la rue, nous prenons acte. Aujourd'hui, le système fait tout justement pour accentuer justement les décantations, pour accentuer les divisions, mais sachez que ces divisions se jouent contre lui-même. Ces divisions se jouent contre le système parce qu'aujourd'hui, le système de plus en plus s'isole, le système de plus en plus retrouve encore face à lui cette revendication, cette mobilisation qui est là, qui restera là encore tant que le système n'a pas ouvert la voie à la solution, la voie justement au dialogue, un dialogue sérieux, un dialogue ouvert, un dialogue justement à la hauteur, un dialogue à la hauteur des attentes du peuple, un dialogue transparent. Très bien. Donc, Amir.